Pierre Fillon, à l'occasion de Rétromobile, vous fêtez une date historique pour la CEO. Oui, 110 ans. Et évidemment, c'est un bel âge, c'est un bel anniversaire. Mais c'est surtout 110 ans de passion autour de l'automobile. La CEO est un club formidable. On part du premier Grand Prix de France, puisque la CEO a organisé le premier Grand Prix de la CF au Mans en 1906, puis la création de ces fameuses 24 heures du Mans, dont on va fêter la 84e édition cette année, et qui se porte on ne peut mieux. Beaucoup d'actions de formation, beaucoup d'œuvres pour aider et protéger l'automobiliste depuis 110 ans. Voilà toute cette passion qui s'est transmise de génération en génération. Et j'espère que les 110 ans prochains vont être aussi belles. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé des dates importantes de la CEO ? Je crois que le 24 janvier 1906, la création de la CEO, puis ensuite l'organisation du premier Grand Prix de France, qui est un petit peu la première course sur route de l'histoire, en juin 1906, 1923, les premières 24 heures du Mans. Après, la CEO a beaucoup d'autres choses à fêter, mais peut-être pas des dates aussi historiques. Il y a eu quand même en 1908 Wilbur Wright avec son avion, enfin son premier flyer sur la ligne droite des Hénaudières, donc c'est une belle histoire. On peut retenir Paul Newman qui arrive deuxième aux 24 heures du Mans en 79, le film de Steve McQueen, et puis plus dernièrement l'organisation de tous les championnats continentaux, l'American Le Mans Series, l'European Le Mans Series, l'Asian Le Mans Series, et puis la création en 2012 du championnat du monde d'endurance qui est le joyau. Donc toute cette pyramide, on part des continents, le championnat du monde, et puis en haut cette course que tout le monde rêve de gagner, que sont les 24 heures du Mans.